qu'est-ce que tu ressens quand tu repenses à tes camarades qui sont morts? Ah, ça fait des bons souvenirs quand même, hein, parce qu'ils sont morts là, par les Moncos. Voilà. Tu parles de bons souvenirs, mais... Parce qu'ils sont morts, en, on va dire, en héros, ils sont morts pour une bonne cause. Là. C'était l'élément de l'équipe qui devait mourir. C'était lui la choisi. Mais je pense qu'ils sont... Ils sont pas eu de regrets. Hein. Leur vie, c'était comme ça. Le destin a raccourci son chemin, leur itinéraire. Il ne parle pas de ses faits d'armes, n'affiche pas ses médailles, mélange de discrétion et de pudeur. Parler de mes campagnes, c'est un manque de respect de mes camarades. Parce qu'il n'est pas fait tout seul, on était en ensemble. C'est comme si c'est moi, ok, c'est grâce à moi, c'est moi qui a fait ça, non, moi, je n'ai rien fait. C'est nous, nous sommes fait ça, etc. Et quelques uns, ils sont morts, je ne peux pas, je peux pas le raconter. Donc, pour respect à eux, je ne le raconte pas. Pour vivre avec la mort et peut-être apaiser sa conscience, il se réfugie dans le groupe. La première fois qu'on tue quelqu'un, ça fait quoi? Alors là, ça rentre déjà dans l'individualisme. Ma vie militaire, ce n'est pas individuel, c'est rien. C'est un collectif. Je ne tue pas, c'est l'équipe qui a tué, c'est le groupe qui a tué. C'est ça. Moi, je ne tue personne, c'est toujours le groupe, l'équipe. Sinon, après, ça, le cerveau il part en live. Là, on peut avoir des remords, très, très grands remords. Là, non. Là, c'est inculquer aux soldats ça. Ne vous rapprochez rien de rien. Comme on dit, c'est le Piaf, je crois, je ne regrette rien, ne regrette rien. C'était comme ça, c'était la vie, c'était le destin, c'était comme ça, c'était tout. Évoluer dans le monde du combattant, c'est évoluer dans un monde avec ses rites et ses codes. Mais pour Antonio, il ne s'agit pas pour autant d'un monde à part de la société civile. C'est comme un pompier, comme un médecin. Ils sont un idéal quand même. On va protéger une façon de vivre, nos enfants, notre prochaine génération. Donc pour ça, on est capable de tuer. On doit être capable de tuer. Pour ça. Et de mourir aussi. Et de mourir, ça rentre dans le contrat. Qui peut tuer, il peut mourir aussi. La vie et la mort, ils sont ensemble. Il n'y a pas de vie sans mort, il n'y a pas de mort sans vie. Tout est en ensemble.